Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Yarol Poupeau, on a pour habitude, vous ne vous y attendez pas, j'en suis sûre, de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et oui, et c'est avec Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Yarol. Salut. Alors, beaucoup d'honnêteté, Yaya, hein, dans cette émission. Merci. Alors, c'est plus qu'une devise, c'est une épitaphe à ce stade. Sex, drug and rock and roll. Et, alors, Yarol Poupeau, je trouve déjà qu'il n'y a pas de hasard. Vous êtes né en 1968, l'année de toutes les libérations, de cette vague Peace and Love qui s'est abattue sur la France, qui a su redonner des couleurs pimpées à l'uniforme gris du général. Et c'est là que votre rock'n'roll attitude, dont vous nous avez tant parlé, est né, Yarol. Alors, c'est doublement transgressif, je dirais, car en plus d'être né en 68, il faut porter un prénom qui n'existait pas, Yarol, et qu'on vous a interdit d'abord de porter. On vous donne le prénom de Stanislas et vous reprenez vous-même le prénom de Yarol, c'est ça ? Ben non, en fait, c'est même pas ça. C'est que mes parents m'ont toujours appelé Yarol. C'est juste le jour où mon père il a été m'inscrire au truc et il a dit bon. Parce qu'il y avait un autre auteur de science-fiction qui s'appelait Stanislas Lem, qu'ils aimaient bien aussi. Donc en fait, il s'est dit bon, attends, Yarol, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, moi, Stanislas. Mais ils m'ont toujours appelé Yarol. À l'école, on m'a toujours appelé Yarol. Mes amis m'ont toujours appelé Yarol. Personne. Quand on m'appelle Stanislas, je me méfie en général. C'est les flics. Ou ah les oui, impôts. Quand on vous appelle, c'est marrant. Si on vous appelle Stanislas, j'ouvre ça, jamais ça craint, le courrier qui est marqué Stanislas, je l'ouvre pas. Sur un plan psychanalytique, c'est évidemment plus qu'intéressant. Il y a une façon d'être déjà antisocial qui casse les codes en refusant ce Stanislas discipliné, en lui troquant un Yarol tout feu tout flamme qui correspond en plus au vœu parental puisque ce sont eux qui ont voulu vous appeler Yarol. Alors vous êtes musicien jusqu'au bout des ongles, une musique pop, funk, rock. J'aime quand c'est plus bordélique que puriste, avez-vous dit à Cyrielle tout à l'heure. Alors pour s'allier à Johnny, je me disais que pour le comprendre vraiment, pour la comprendre, l'icône, la dépasser, la prendre avec soi, il faut aimer cette profusion chaotique. Vous n'aviez pas le choix en fait, il fallait se sentir à l'aise dans cette diversité déstabilisante, non ? Bah oui, complètement. Alors moi c'est effectivement la stabilité, tout ce qui peut être routine, sécurité et tout, moi je suis pas hyper fan, je préfère prendre des risques, je préfère être toujours un petit peu sur une corde raide, c'est, je pense que c'est là qu'on est plus créatif et c'est là qu'on a plus d'idées, quoi. Et vous pensez que si vous aviez aimé la stabilité, vous auriez pu travailler avec Johnny autant de temps ? Peut-être avant. Je sais qu'en fait, moi, je suis arrivé dans la carrière de Johnny à un moment justement où il venait de traverser une décennie de concerts qui effectivement était très stable, était beaucoup plus millimétré, plus. Oui, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Hein, voilà. Donc, 80, je pense que 90. je suis arrivé à un moment de sa carrière où il a eu envie justement de se remettre un peu plus en danger et un petit peu plus de prendre de risques artistiquement sur scène et. Donc j'étais là pour ça. En tout cas, tout au long de cette interview, il y a vraiment eu ce risque comme ça à fleur de peau que vous nous avez communiqué, cet amour du risque, hein, pour parler comme dans les années 80 et comme Jennifer Hart. Alors le rock, il faut qu'il soit en mouvement, sinon c'est mort, vous nous avez dit aussi. Ah, complètement. Et c'est finalement votre credo, je pense, Yarol Poupeau. Quand vous parlez de vous, on sent toute l'énergie créatrice que vous avez dû mobiliser pour imaginer, inventer, accomplir jour après jour votre destin d'artiste. Et j'ai trouvé une citation de Johnny Hallyday qui dit « Je voulais faire Elvis, je voulais faire James Dean et je suis devenu moi ». Oui, il a un jour dit en faisant un pas de côté par rapport à sa propre légende. Et vraiment, quand je vous écoute, je me dis que, et quand j'écoute surtout l'interprétation des portes du pénitencier qu'on a entendu un peu tout à l'heure et que je trouve bluffante, je me dis que vous n'êtes vraiment pas dans une prison. Johnny Hallyday, au fond, hein. Vous avez su vous en libérer. Et il y a chez vous une signature, par-delà tous les mimétismes qu'on aurait pu imaginer, dans lesquels certains auraient pu se fourvoyer, bien au-delà des comparaisons. Et je me dis, vous êtes Yarol Poupeau, un artiste à part entière, qui a toute sa densité singulière et si combien brillante. Eh ben merci, c'est gentil. Et pour cela, bravo. Merci. Et bravo à vous, Joseph Agostini, bien évidemment, que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J.